Bonjour Utilisateur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui, à part que j'ai froid, il pleut toute la journée, c'est ennuyant, j'en ai marre, mais enfin soit. Mais on est là pour se réconforter avec le petit colis du mois de novembre. Je ne sais plus quoi. Du coup, je vais ouvrir ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. Et oui, c'est encore la même box. Ça fait 3 mois d'affilée, je crois, ou 2 mois. Non, 3 mois. Ça m'ennuie un petit peu, mais voilà. Je la mets sur mes jambes. Du coup, on a toujours le petit mot de remerciement. Enfin, on a du papier jaune de soie cette fois-ci. Hop. Je l'ouvre. Hop. Et je vois les petits goodies. Du coup, on va regarder ça tout de suite. Je prends le premier. C'est des... Il était un fruit. Ma peau, 100% fruits, pêche, sujet séché. Il faudrait que je goûte ça. Je connais pas. Des fruits, c'est des pêches séchées comme ceci. Est-ce que je goûte avec vous? Bon, pourquoi pas. Là, je pourrais dire mon avis tout de suite. Si j'aime bien ou si j'aime pas. Je suis pas fan des fruits séchés. Oh, ça sent pas bon. Je suis pas fan de... Regardez, ça ressemble là à ça. Je sais pas si on va bien voir. Mais... Le goût? Non, je suis pas fan. Non, pas bon. Non, non. Je suis pas fan du tout. Oh, pas grave. On a toujours les deux marque-pages qui est de la même... couleur de la box. Ça c'est le petit. Après je vois un petit petite pochette comme ça, toute mignonne. Il écrit quoi dessus? La lecture comme les yeux se ferment. Petit colis. Et c'est écrit par qui? Je sais pas si c'est un V ou un G. Jivon Piva Pira Piva. Voilà. Il est beau. C'est vrai, pour mettre dans notre sac, c'est tout juste pour mettre nos livres dedans. C'est vrai que c'est une bonne idée que des fruits. Alors moi, je chope le paquet avec les livres. Il y a un gros et un petit. Je vais prendre le petit en premier. Du coup, c'est... Voilà. Virginie Grimaldi. Il était grand temps de rallumer les étoiles. 2 millions de lecteurs. Voilà. Le livre de poche. Comme ceci. J'ai entendu beaucoup parler. Voilà. Anne Trentaine dans... En train de... J'ai encore... la boue de pêche dans ma bouche. C'est pas bon. Anne, 30 ans. Ricoule sous le travail et de relancer ses sa fille, elle ne fait que ses croisés au petit déjeuner. Sa vie défile et elle observe depuis un bulle, le bulle dans lequel c'est est enfermée. À 18 ans, Chloé a rencontré à ses rêves. Pour aider sa mère, elle recherche de l'affaisser auprès des garçons. Mais cela ne dure jamais. Lily, au haut de ses 10e. Enfin, voilà, ça m'énerve de lire. Aujourd'hui, j'ai pas... Voilà, il est très beau, j'aime bien. C'est sûr qu'il était dans ma pile à lire, enfin, dans ma pile que je voulais. Du coup, c'est pas mal. L'autre, c'est un gros bouquin. Je l'ai vu. Et c'est une lueur d'espoir, si c'était possible.
de K.M. Bucket, Bucket, je sais pas comment ça se prononce, au Hugo Poche. Il est très beau, j'aime bien. Je vous montre un petit peu le résumé. Il est long le résumé. Je vous ai pas montré l'autre résumé aussi long, tous les deux. Voilà. Et j'essaie de pas trop lire parce que c'est vrai, j'aime pas de lire trop les résumés parce qu'après ça spoil et t'as donc plus envie de lire. L'écriture est bien, je trouve. Maintenant, il faut voir si j'ai pas d'autres saisons parce que je vois là où. Je sais pas si c'est la même autrice. Il faudra que je regarde. Voilà. Il est très beau, j'aime bien. Alors, ça avec une fille. Elle habite dans une ville. Elle est serveuse et s'occupe seule de sa fille de 5 ans. Une nuit, alors qu'elle rentrait dans les brouillards, elle tombe sur une voiture encastrée dans un arbre. Elle intervient et parvient à sauver la vie d'une de ses occupants. Avant que le véhicule s'embrasse, prend le feu, elle ne saura que bien plus tard qui elle a sauvé. Beren, Brett, Bend, enfin c'est des noms compliqués à chaque fois dans les livres. La star de Rocky, une héros nationale, mais Karine ne souhaite pas que son nom soit elle veut pas donner son nom. Jusqu'au jour où elle se trouve l'homme qu'elle a sauvé devant sa porte. Elle veut juste le remercier, mais il va bouleverser sa vie. L'amitié qui ressemblait un pour l'autre dès le premier mot échange se transforme un peu en quelque chose de plus fort. Il ne s'attendait pas à ressentir comme une superstar comme Brett Gagoon, je sais pas quoi, pourrait-il s'intéresser à une femme aussi normale que Karine? Combien de temps avant de cette étincelle va-t-elle voir briller dans ses yeux ne dégager? Voilà. Et c'est un comédie romantique. Voilà. C'est marqué juste là. Vous n'allez pas le voir, mais il va écrire. Et ce livre-ci est à 8,50, je vois sur le livre, et celui-ci est à 7,90. Voilà les deux livres que j'ai eu ce mois-ci, qui me plaît absolument. Je suis contente de les avoir, vivement de les lire, mais je suis encore, pour le moment, je lis pas beaucoup. Et je suis encore dans mes tomes 12, j'en ai 12 livres à lire, et je suis au 8e. Ça diminue, et après je m'entraîne à ceux-là. Et voilà. Et après, je voulais vous montrer aussi. J'ai acheté un livre en convention d'un auteur, je sais plus son nom, Lucky. Une manga qui a l'air super. Je ne l'ai pas encore lu. Il me tente vraiment à le lire. Je pense que cet après-midi, je vais le lire. C'est Ose. Et la couverture est trop belle. Regardez. Me dites pas qu'elle est pas belle. Voilà. Et si vous voulez un petit peu de résumé, je vous dis ça. En 2002, pendant la célébration principale présidente en France. Le truc, c'est. J'ai pas envie de lire parce que c'est en train de me spoiler et j'ai trop envie de lire là maintenant. Mais les dessins sont vraiment beaux. Je vous montre un petit peu les dessins. J'ai juste regardé un tout petit peu. Hop. Ils sont beaux. Les visages sont super bien faits. Regardez la femme là. Voilà. Je trouve pas trop mal. Je pense que je vais lire ça cet après-midi. Comme je suis biaise et que j'ai oublié ma tête, j'ai oublié mon livre chez ma tantine vendredi passé. Enfin, vendredi. Et du coup, je ne sais pas continuer mon livre qui me restait pas beaucoup de pages. En plus, ça m'ennuie, mais c'est pas grave. Je pense aller le chercher tantôt. Du coup, je crois que je vais lire ça cet après-midi.
Je sais pas combien de pages il y a, par contre. 256 pages. Bon, je pense que cet après-midi sera fait. Hein. Il est 3h30. Ouais, je pense que je vais le finir ce soir. Et je vous dirai ça si vous voulez un... Si j'ai bien aimé ou pas, allez voir sur Instagram, je le mettrai. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et surtout, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!